Bonjour, c'est Maya. Aujourd'hui, on va faire roll cabbage. C'est du soup farci à la japonaise dans une soupe. C'est un plat qui réchauffe bien. Pour deux personnes, il faudra 250 g de la viande hachée de votre choix. Moi, je vais utiliser du pot. Un demi-oignon, 2 cuillères à soupe de lait, un peu de sel et un peu de poivre. 6 à 10 feuilles de chou. Je vais utiliser un chou frisé, mais vous pouvez mettre un autre type de chou. Pour la soupe, 600 ml d'eau, 2 cuillères à café de consommé, c'est le bouillon japonais. Vous pouvez remplacer par un bouillon cube. Du ketchup, je vais utiliser ketchup japonais, mais vous pouvez utiliser ketchup normal. Et une cuillère à café de sauce soja. Enlevez les feuilles de chou et lavez-les. Enlevez la base de la feuille et coupez la nervure centrale de la feuille pour faciliter le pliage. Faites bouillir de l'eau et faites cuire 3 minutes les feuilles de chou. Lancez à l'eau froide et les avez. Pour la garniture, versez dans un saladier le panko et le lait. Mélangez. Mixez l'oignon. Puis la viande. Et versez dans le saladier. Salé et poivré. Mélangez bien. Mettez de la garniture au centre d'une feuille de chou. Pliez le bas, puis les côtés de la feuille et le lait là. Déposez les choux farcis dans une poêle. Ajoutez l'eau. Le bouillon. La sauce soja. J'ajoute aussi un peu de ketchup. Mélangez. J'ajoute aussi un peu de sel et un peu de poivre. Coltez à ébullition. Couvrez et laissez cuire 30 minutes à petit feu. Servez.
Ça y est, c'est prêt. Et j'aime bien ajouter un petit peu de ketchup par-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine! よかったらチャンネル登録してね。